Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter rapidement les deux coffres du jour. Voilà la position. Je les ai trouvés plus faciles qu'hier. Comme hier, il y en a un qui est dans l'eau et l'autre est sur terre. J'ai fait une petite coupure pour aller un peu plus vite, mais c'est le même endroit. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous avez deux images avec les points rouges indiqués de manière à ce que vous puissiez les trouver plus facilement. Si par exemple vous êtes intéressé plutôt par juste l'image, vous pouvez aller à la fin, vous avez juste un screen en fait de la carte avec un point rouge dessus pour vous indiquer les deux lieux. Il est dans l'eau. Alors dans l'eau c'est toujours pareil, c'est toujours le plus difficile à trouver que celui qui est dans l'eau. Enfin moi je trouve que dans l'eau c'est plus dur. Donc il y a les mines qui sont pas très loin. Mais là on voit qu'il y a de la profondeur. Et en fait le coffre il est moins profond que ça, donc il faut se rapprocher un peu du rivage. Voilà, là on voit que je suis pile dessus. J'ai mis la première personne en me disant qu'on verrait mieux, mais en fait on voit pas super bien en première personne. Donc voilà, le coffre est juste là en bas, près des cailloux. On voit les mines au fond. Et il y a un petit tas de trois cailloux, trois gros rochers en fait. Et c'est là où il est. Voilà. Ici, à peu près. Donc voilà pour le premier et voilà pour le deuxième coffre, beaucoup plus facile. Donc voilà, comme d'habitude, je zoome un petit peu sur la carte de manière à avoir une bonne visibilité sur l'endroit où est le coffre. Mais comme d'habitude, il y a un screen en fin de vidéo qui montre qui montre les positions en image fixe. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut!